Oh putain. Ah, ça fait mal, mais c'est pas grave. Si j'avais ça en stock. Encore une fois, ma question, c'est... Combien ça fait? 250. On va pas cracher sur 250, hein. Oh merde. Ah, ça c'est beau. Ça, ça va lui faire mal. Ça, ça fait déjà un 900. Hein. Ça fait mal aussi. Mais pas dans le sens où j'ai envie d'avoir mal. Probablement. Ah, il se heal maintenant, lui. Ça va tellement pas bien se passer. Je sens que ça va tellement pas bien se passer. Ouais, alors ça, ça fait moins mal que glace. Alors ça, c'est pas cool. Oh putain, non, c'est pas cool. Ah putain. Hop, on y va, Alice. Oh putain, ça, ça fait mal aussi. J'espère qu'il est bientôt mort. J'espère très honnêtement qu'il est bientôt mort. Alors j'aimerais bien que tu... Non mais arrête de te healer toi. Oh merde. Hop, on y retourne. Ah, on va dire que c'est le bon côté. Ça, ça fait tellement mal. Ah merde, j'ai raté le dernier hit. Thank you.
Ouf. Putain. Il est pas mort. Il veut pas mourir. Oh merde. Oh merde le bobo. Oh le bobo. Oh le bobo qui fait bobo. Grande question, vais-je m'en sortir? J'ai de grands doutes. Pas encore, pas encore. On va essayer de faire en sorte que ça dure. Il est mort! Oh putain, merde, il est mort! Il est mort, le con. Voilà, il est mort. Ce fut compliqué et douloureux, mais c'est passé. Maon ? Ça va ? Tu fais du miel ? Pas encore. T'as sorti tes pierres? Non, mais c'est cool. Là, tu viens de manquer un combat épique contre un boss. J'ai failli mourir. Mais vraiment beaucoup, quoi. J'ai vraiment beaucoup failli mourir. Koala te dit bonjour. Bonjour, Koala. Ça va mieux? T'as pu te reposer? Contre-attaque, c'est bien. Contre-attaque, c'est bien, je garde. Donc on a réussi à sortir de là sans encombre. C'est une bonne chose. J'ai eu peur sur ce boss, hein. Alors... On voit la ville, pas encore. Voilà, on va faire ça. Ça, c'est bien. Ça, ça fait mal. Merde, raté. Magnifique. Aeris a gagné, pas Aeris, Tifa a gagné sa deuxième limite niveau 2, ça c'est cool. Je vais sauvegarder tout de suite en cas de pépin parce que les limites c'est un truc où tu sauvegardes en fait. Les limites c'est juste un truc où tu sauvegardes, tu fais pas autre chose, tu sauvegardes quand tu l'as. Gastro combat, ouais. Je pense que c'est un truc qui se mange.
font mal quand même. Il va bientôt falloir que je fasse du soin. Ça répond à la question en effet. Il y a du stuff à acheter et j'ai plein de pognon. Ça, c'est le bon côté. Oh, une fusée. Une vieille fusée rouillée. Ouais, moi aussi, je me demande ce qu'elle fait là. Pourquoi c'est une vieille fusée rouillée ici? On s'en fout. Ah oui, c'est vrai, il faut lui parler trois fois. Je ne sais plus ce que ça fait, mais... Il faut lui parler trois fois. C'est tout de suite ou ça marche qu'après? Non, pas, pas le temps. Non, non, t'es pas Père Castor. J'écoute que les histoires du Père Castor. Moi. Écoute, j'ai pas perdu beaucoup de vie, donc non. J'ai économisé mon pognon, parce que pognon égale fric, hein. C'est bien connu. Et argent égale pognon. Voilà, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Pognon égale fric, argent égale pognon, et... Je commence à reprendre un petit peu du poil de la bête par rapport à tout à l'heure. Alors... Alors ça fait mal mais je sais pas ce qu'il fait ce truc. Donc trois fois. Ok, vous n'avez plus grand chose à acheter ici. Un magasin d'éléments, quel nom de merde. Putain. Ça coûte tellement cher. Ok, merci. Bah, plus tard, tout à l'heure, demain, je ne sais point. En effet, ça va pas forcément me parler parce que j'ai jamais fait d'optimisation. Alors, quitter barrière ou temps ? Barrière pour l'autoriflect, hein. Quitter pour la fuite des combats. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais point, je ne sais point. Donc je vais garder mon pognon et mon fric. Et mon flouze et mon fez. Ouais, ça c'est pour Barrett. Ouais, mais le truc c'est que c'est des matériaux que je pense jamais à utiliser, donc... Ouais, c'est l'heure du blabla. C'est l'heure du blabla de l'infini. Hop, on va aller dans la fusée. Attends, je pense à un truc. Pas que j'oublie de faire du stuff de merde à Aeris avant de la perdre. Là, vous me ferez penser à filer du stuff de merde à Aeris pour la servir. C'est vraiment un bijou de merde. Le reste, on s'en fout un peu, mais au moins un bijou quoi. J'irai voir ce que vous me dites pour Sid tout à l'heure, et puis après je regarderai ce que vous m'avez dit pour Vincent. Ah bah c'est l'heure d'aller voir, qu'est-ce que vous m'avez pondu pour Sid? Qu'est-ce que vous m'avez pondu pour Sid? Alors, Sid propose Nameo. Alors, vieux con pour Sid, c'est un peu pas très respectueux, je suis pas fan. Acide pour Sid, ce qu'il n'y a pas mieux. Naruto et le Sid pour Sid, pareil, je trouve ça un peu bof. Ma perso marine. Bah écoute, je vais suivre la suggestion de renommer un perso Zelda. Non mais Tortel s'est proposé pour Vincent en fait. Donc on va l'appeler Zelda. Allez. Ce truc va tellement devenir incompréhensible. Voilà. Donc il y a un perso qui s'appelle Zelda maintenant. Génial, mais pas plus. Je déchire. Ah, c'est toujours l'heure de passer le dialogue. Ah là là, les ascenseurs de l'infini. Les escaliers de l'infini. Je commence tellement à dormir à moitié. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Il y a un truc à... Ouais, il y a un truc dans cette maison. Il y a un putain de truc dans cette maison.
se passe plein de choses dans l'univers. Quel oppresseur ce mec. Ici, qu'est-ce qui est désagréable, Sid? Bah, franchement, il est super désagréable. Allez, je spam mon bouton de texte. J'ai tellement l'impression que je vais m'endormir avant la fin de cette run. Bon, j'aimerais bien atteindre la fin du CD1 avant demain, en fait. Précisément avant minuit, hein. Heureuse, Pifounette. Oui, c'est la version Steam. Ça se voit, elle est plus mal traduite et il y a plein de trucs qui me font rager. C'est à ça qu'on la reconnaît. Un reset, non, mais à un moment j'ai dû rebooter. Ouais, bah t'étais là, je crois. Et puis je suis morte. Je suis morte deux fois. Ce qui fait que là, je suis pas encore allé chercher Vincent parce que j'étais vraiment pas au niveau avec mes persos pour aller chercher Vincent, quoi. J'étais vraiment pas au niveau pour aller chercher Vincent, donc. Ouais, je suis toujours sur mon marathon. Non, c'est surtout sur les contrôles, parce que du coup je retrouve pas les contrôles de la play. Et du coup je rage un petit peu de temps en temps parce que le contrôle est pas là où il devait être. Et les contrôles que je retrouve pas, tout ça, donc ça m'agace. Mais autrement non, elle est pas. Elle est pas mauvaise, elle est juste traduite avec le cul d'un hamster borgne. En fait, ils ont pris un hamster, ils lui ont enlevé l'œil, ils lui ont demandé de. Ils lui ont mis un ciseau dans le cul, ils lui ont demandé de traduire avec. Et ça explique la traduction. Bah, j'ai trouvé l'explication de la traduction de ce jeu. On applaudit. Les excuses de sac. Ah, totalement, c'est la faute au contrôle. Pas au pad, mais au contrôle. Non, j'ai eu le coup, par exemple, au... J'ai eu le coup au moment du de la course de Chocobo où j'arrivais pas à retrouver les contrôles qu'il me fallait. Première course, par exemple, j'ai pas réussi à passer en mode manuel. C'est un peu con. Oh merde, Palmer. Allez, c'est l'heure d'affronter Palmer. Putain. Il fait mal comme ça dès le début, mais... Il est agressif ce mec.
404 damage not found. Attention, là il est chauve, voilà. On a appris qu'il fallait se méfier des chauves. Bon, je pense que je vais utiliser la limite de Bobo dans pas longtemps. Bon, ça vaut pas vraiment le coup d'utiliser sa limite pour ça. Alors, on va soigner Plankton, ce sera très bien. C'est l'heure où on danse avec les invoques. Et c'est l'heure du Père Fouras. Le Père Fouras a posé son énigme. C'est une énigme à 555 points, on s'est bien marré. Ah, magnifique. Je vais l'utiliser hein, à la limite. Continue à taper, c'est encore ce que tu fais de mieux. Ouais, des plumes de phénix, j'en avais repris. Je crois. Ouais, j'en avais chopé. Oh, magie. Yes! Pourquoi magie feu? Attaque! Comment qu'il monte son cul ce mec? C'est du manque de respect là! Oh, on va y avoir de la limite là! Non, Plankton, voilà. Ah, j'en ai raté une quand même. Et le suplex. N'empêche qu'il a des dorsaux d'une solidité, ce mec. Non, sérieux quoi. Il y a des dorsaux en acier. Raté. Raté. Arrête de miss. Le ciblage est tellement dégueulasse dans le jeu. Fais-le sur le bon perso. Non, mais pas sur elle. C'est vrai, on s'en fout. Je crois qu'il va se prendre un avion dans la gueule. Je crois que c'est l'heure de l'avion dans sa gueule. Même pas, c'est un camion au final. Pouette pouette. C'est quand même le mec qui te monte son cul, quoi. Je vais oublier qu'il te montrait son cul pendant le combat avec ça à foutre.
Mais je t'ai dit bonsoir en plus quand t'es arrivé. Ou alors c'est une grande faute de ma part. J'ai dû répondre à tes questions en premier. Si c'est le cas, je m'en excuse si je ne t'ai pas dit bonsoir, Shinra. Alors je tiens à dire que d'ici quelques heures, pas tant que ça d'ailleurs, un speedrunner expérimenté sur jeu aurait eu le temps de finir deux fois le jeu, tant que j'en serais toujours au CD1. Enfin, j'espère passer le CD1 quand même, un de ces quatre. Ce serait bien. J'allais m'occuper de Vincent. Donc je vais commencer par aller m'occuper de Vincent. On peut oublier de sauvegarder, hein. Je vais sauvegarder votre ami. Il faut l'utiliser aussi. Je vais me mettre là. Et je vais aller chercher Vincent. Re-sauvegarder ici pour être sûr. En cas de mort, ou de décès, ou de truc entre les deux. Bonjour PNJ, donne-moi une chambre. Voilà, on a régène. On a un gène, on va chercher Vincent. Allez, c'est parti. Ça va encore être dur, hein. Je pense que je vais avoir mal sur ce segment. Alors, je veux pas faire ce combat, il me fait chier. J'ai le droit de pas le faire. Le combat, il me fait chier, je veux pas le faire. Non, le combat me fait chier, je veux pas le faire. Oui, je vous ai dit, le combat me fait chier, je veux pas le faire. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un peut me remettre le code? Attends, je vais remonter pour aller le chercher. Je vais remonter pour aller le voir. Où était-il quand j'y étais? Voilà. 36, 10, 59, 97. C'est parti. Alors, attends. Je redescends le chat du coup. Ah, vu l'autopause. Oublie pas de pas mourir, voilà. Je vais essayer de m'employer, merci du conseil. Sérieux toi? Ça fait vachement moins mal de ceux qui sont en arrière-plan. Voilà, si on va se déplacer maintenant qu'il est... Voilà, faire guérir. On va se déplacer aussi. On va attaquer.
éviter de se rater, hein. On va attaquer. Ranger météo. C'est parti. Je comprends pas le nom de cette limite. Seigneur météo. Là pour l'aider. Ah, ça fait quand même mal, hein. Même de l'arrière. Tada! Tada! Il n'y a pas de météore non plus. Et puis, plus de météore plus tard, mais c'est plus tard. Donc, si je vais quand même faire de la guérison. Mais là, j'ai plus de... Là, j'ai plus de marge quand même. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Jamais se plaindre de faire une limite, hein. Surtout si elle est réussie. Ça va quand même faire mal. Ouais, ça fait quand même mal, hein. Je crois que j'ai été bien inspiré. C'est moi que j'ai fait niveau 2. Non. Pas grave, je refais niveau 1 avec Bobo. Rip boss. Ah, c'est... C'est beaucoup mieux passé. Ah, la meilleure invoque du jeu. Enfin, une de mes préférées en tout cas. Mais vraiment une de mes super préférées d'invoque. Alors d'ailleurs, c'est bon. Hop, je vais ça. Son adverse, c'est quoi d'ailleurs? Ah, d'accord, c'est un monstre. Oui, en effet, ça marche aussi. Non, pas spin me. Voilà. Pas spin me, simplement parce que pas spin me. Ouais, est-ce que c'est la materia super MP ou est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose, donc on s'en fout. Thank you.
tellement pas mal. En même temps, il était déjà passé full bleu les deux dernières fois, donc ok, ça marche pas. Ouais, toi, du coup, t'as pas le choix, faut aussi te faire ta ronde ennemie, mais bon. Bonne note, Tortel. Ouais, bon, bon, autant taper à ce niveau-là, hein. Tellement d'autres ennemis dangereux. Autant taper. Il va tomber par terre. Oui, c'est pas bien de taper quelqu'un à terre, mais à un moment, faut finir le combat, hein. On va essayer de finir le combat. Ouais, fini le combat. Ça, c'est cool. Bon, j'aimerais bien qu'Eris monte son... augmente de limite. Mais je vais pas forcément me concentrer là-dessus. Hein. Je pense aussi à la suite du jeu. Il est à terre. Continuons de le taper. Ce combat a tellement aucun rythme. En sérieux, ce combat est tellement chiant. Alors là, pareil, il y a des ennemis chiants ici, hein. Coucou Winnie Pooh. Oh putain. Ennemis chiants. Ennemi super chiant. Bon, sérieux, j'aimerais bien que tu survives quand même. J'apprécierais de la survivance, merci. Je vais me barrer de ce combat, il me gonfle. On va tenter ça, mais on va quand même essayer de s'enfuir par-dessus tout. Hein. L'amour de pas le risque. C'est l'amour de pas le risque. Non mais sérieux, on peut fuir les gens? S'il te plaît. Ouais, j'ai réussi à fuir. Bon. Voilà, j'ai réussi à ouvrir le cercueil.
Merde. L'échelle dialogue. Allez, on va y arriver. Je pense que je mettrai sûrement la VOD de... D'accord, attends, est-ce qu'il faut que je reparle une fois? Je ne me souviens plus. Donc, qu'est-ce que vous nous avez suggéré comme joli nom? Alors, non mais où? Allez, on a toujours les mêmes suggestions en fait au 3615 Anna. Donc écoute, Tortal, tu as gagné. Tortal, tu as donc gagné. Joli, mais non, Tortal, ça ira. Tortal qui m'a sauvé du stress entre mes deux trains à Paris dimanche dernier, donc il l'a mérité aussi. Il n'y a pas de chouchou. J'ai pas de chouchoutisation, moi. Je ne fais pas de chouchoutisation. Alors demain, il y a peut-être des trucs à ramasser ici, donc je vais aller voir quitte à y être. Hein, ton cafetière. Instant histoire. Hey Firas. Et qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'ai raté une matériole mais je me souviens plus laquelle c'était. J'ai mal au dos. Voilà, ah, bah oui. Bah de toute façon il m'a dit qu'il voulait un personnage combattant. D'où Tortal pour un personnage combattant, donc Tortal combat. Je ne pense pas utiliser Vincent dans cette run. Matériel destruction. C'est cool. Je ne pense pas utiliser cette matériel dans cette run. Ouais, qu'attends. Je dis ça, mais... si je ne m'abuse... Voilà. Ah si, je vais utiliser destruction, carrément. Je vais carrément utiliser destruction, hein. Parce que pouvoir autocast un instant de death, c'est la vie. Encore Ying et Yang. Non, je veux pas vous affronter, vous êtes méchant. Vous êtes méchant, je veux pas. Avec la cape monobloc, hein, Vincent a quand même une cape, une magnifique cape monobloc. D'ailleurs, ça mérite. Nouveau succès déverrouillé, Vincent. En plus. Nous avons notre équipe de choc au grand complet. Tout le monde, il est présent. Alors, ce combat, on va le faire. Oh, c'est pas terrible. Un 1700, c'est pas dégueu, hein.
1700, c'est clairement pas dégueu. Ça tourne malheur. Ok, je les compte plus, mais ça tourne malheur. Hein. Très honnêtement, j'ai arrêté de les compter parce que le nombre de miroirs que j'ai pété dans le jeu expliquerait peut-être des choses des fois. Genre pourquoi est-ce que mon matos fait tout le temps retour à sa vie comme c'est pas permis. Oh mon dieu. Je ne les aime pas ces mobs. Techniquement il est pas brisé, il a juste disparu. On va dire ça. Voilà, donc on a récupéré Vincent, tout va bien. Tout s'est passé comme prévu, comme voulu, comme on le voulait. Je me souviens plus exactement quand Bobo disparaît. Et je crois qu'il y a une phase où je suis forcé de la voir, donc... On va déjà sauvegarder Vincent, hein. Et donc, de mémoire, il faut que j'aille... faut que j'aille au nord ou au Golden Saucer, les gens. Aider le poulpe qui n'a pas de mémoire. Je me souviens plus où je dois aller. J'ai pas pris Titan. J'aurais pas de détour pour aller le prendre parce que ça me branche pas spécialement. Là, je vais au nord pour l'instant. La fin du CD1 est proche. Enfin, proche. Je me comprends. Il ne reste plus des milliards de trucs à faire. Non, il faut que j'aille trouver la cité des anciens avant d'aller là-bas, en fait. Hey, coucou Harley Quinn! Donc voilà, ma question c'est que j'ai un gros trou de mémoire. J'ai un gros trou de mémoire, est-ce que je dois aller au sud ou au nord? Ben non, Lely, son pseudo c'est Lely. Où dois-je aller? Je ne m'en souviens plus. J'ai un énorme trou dans ma mémoire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec mon trou dans ma mémoire, s'il vous plaît? Je peux nager ici. Oh, mais ils disent ça parce qu'ils sont jaloux, Tortas, c'est tout. Oui, s'il vous plaît. J'ai envie de finir le jeu, en fait. Bon.
En attendant la réponse, je vais aller voir sur Google, hein. Je vais voir en attendant que quelqu'un qui me réponde sûr. Ah d'accord, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé, j'y suis. Je sais que Google est ton ami. D'accord. Donc maintenant on va aller au Golden Saucer. Allez, c'est parti pour le Golden Saucer. Donc on va faire grimper le kill count, hein. Vas-y quoi là. Ce jeu de mots. Ce jeu de mots de l'infini. De mémoire, Golden Saucer, même les ils sont payants. En effet, bon, c'est pas spécialement crade, hein. Pas spécialement crade, honnêtement. Bah, c'est pas mes pratiques personnellement, mais voilà, c'est une blague à se pisser dessus totalement. On est d'accord. Totalement une blague à se pisser dessus. Putain. Fallait la faire celle-là, hein. C'était un peu nécessaire. La différence, c'est que maintenant j'ai du pognon. Pas assez pour le Golden Saucer, mais j'ai du pognon. J'ai déjà fait un tour d'horloge sur ce défi.
Battle Square. Va tellement partir en banane dans ce Battle Square. N'imaginez pas. Moi, oh, vous êtes chou. Alors, j'ai un truc. Voilà. Ce sera mieux pour voir quelque chose. Et j'ai retour. Coucou Grand Shepard, écoute, un peu fatigué. Comme tu peux le voir en haut du truc, c'est le... Depuis combien de temps je suis sur ce stream? Donc mon stream tient depuis 12 heures. C'est relativement fatigant. Mais aïe! Gardez mes MP pour quand il y aura plusieurs mobs. Et quand j'aurai besoin de me healer. Ils ont besoin de me healer. Sachant que l'idée est, si j'en suis capable, de ne pas couper le stream tant que je n'aurai pas fini le jeu. Oh, quel dommage. Matériel à location cassé, quel dommage. Je vais m'en faire l'anus. Putain, ça se fait mal. J'espère juste que mon effet supplémentaire va marcher un de ces quatre. Ouais. J'ai quand même une roulette bien dégueu, hein. Ah, rien! Aucun problème. Bon, par contre, j'aimerais bien du régène. Sinon, ça craint si je me régène pas. Parfait. Là, je dis parfait. Ça c'est cool. C'est cool, ça descend. J'ai tellement avoir mal. Oh merde! Ah ça c'est pas cool. Là c'est pas cool, là hashtag c'est pas cool. Là je pense que c'est la mort. C'est la mort, hein. Ça va, pipiche. Ma chérie. Donc ma chérie vient de m'apporter du miam miam. Je vais manger. Devant vous et en continuant le stream. Non, je dis aux gens que je vais manger devant eux et qu'en continuant le stream. J'ai tellement mal. Hein.
Alors Spoufounette te dit coucou. Et Crunch Shepard aussi. Super bon. Pourquoi tu dis que t'as trop de goût, c'est super bon. Bon, on en est. Ah, puis matériel. Hein. Ouais, c'est. Ça sent la mort, hein. Déjà, c'est fou, putain, je trouve que j'ai bien tenu hein, sans matériel. J'ai bien tenu sans avoir de huile. Alors. Ghost. Non, c'est pas là. Il faut que je retourne. Il faut que je retourne ici. Ah oui, ici. Ah, c'est ça, je dois retourner ici. Merci. Alors, je vous rassure, j'ai pas encore fini de. Cette technique de chien pour faire rester les gens dans le parc d'attraction. Ah, vous pouvez plus partir, le tramway est pété. Ça va plus plus. Ça a été ta journée. Non, je suis désolé, j'en profite pour parler avec ma chérie parce que je l'avais pas vue depuis ce matin. Je suis rentrée plus tôt, j'ai eu l'autorisation tellement de passer une merde. Oui, bah oui. On est passé la même. Oui, merci Crunch Shepard. Ouais, mais les jeux de cash en général je les aime bien. Bon app. Et rechinera.
vachement bon. Un peu plus tard, j'allais faire une pause café. Voilà, du courage, Chinel. Oui, parce qu'un perso s'appelle Chinel. C'est le chat qui décide. Alors, Aeris. Rencard avec Aeris. Je finis de manger vite fait. Donc j'ai pas vu ce que j'ai répondu. Je suis vedette du... Ok. Bah écoute, essaye de bien te reposer, quoi, là. Oh, Tortel. Ça peut te rassurer, il y a quelques heures, j'ai failli m'endormir. Non, c'est pas moi. Eh oui, c'est toi. Non, c'est pas moi. Oui, c'est toi. Non, c'est pas moi. T'es notre héros. Sauve la princesse. Mais t'es qui? Mais pourquoi les gens ils bougent bizarrement? Vous êtes des toupies? Il y a un dragon rouge. D'accord. J'aime pas les dragons rouges, ils font mal. Je sais pas ce que j'ai choisi. Je suis Valvados, je n'ai fait aucun mal à la princesse. Celui-là, c'est la princesse Bowo pour un coup, pour une fois. Voilà! Mon dieu, il se passe des choses dans l'infini du monde. Il tourne, 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 c'est le pouvoir de l'amour! C'est l'heure de la cinématique. Tic, 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 tic. Je fais pas trop de bruit plus. On est en train de bosser. Tu voudrais que je te remonte un thé? Ah, c'est ça que j'ai... En fait, je suis en train de mâcher. Ouais. Youpi, Banzai, troulala, ouh, oui, ouh, c'est joli, c'est beau. Oui, mais j'ai pas fait en sorte. J'aime pas spécialement jouer avec Barrette dans mon équipe.
Et je pense qu'après que Bobo soit morte, je prendrai Sinael dans mon équipe parce que j'aime bien avoir Red dans mon équipe. En fait, je sais que c'est une équipe qui n'est pas opti, mais c'est pas le but. Je suis là pour m'amuser, pas pour faire un truc opti. Barrette avait la gastro, voilà. Barrette avait juste la gastro et c'est pour ça qu'il a pas pu venir. Donc il a laissé sa place à Bobo qui pourra poser un gros pâté. Parce que Bobo il est gentil, il pose des pâtés, il mange des mobs. Mais non, c'est pas le même Bobo, merde. C'est parce qu'on va bientôt faire rip Bobo. Et si, je vous jure. Bientôt, bientôt. Mais si on a Bobo. Il a pu vomir mais pas venir, totalement. Voilà, c'est ça, Barrette, il a pu vomir mais pas venir. Ah là là, l'amour entre vous deux. Mais que fait Tisha? Que fait Tisha? Vite, courons, que fait Tisha? Tisha, que fais-tu? Speed Square, allez, on y va. Oui, bien caché, Tisha. Chocobo, Chocobo. Cherchons Tisha, cherchons Tisha. Courons après Tisha, cache-cache avec Tisha, ouais! Tisha est un traître! Bonjour, je viens de vous trahir, de ramasser l'objet que vous avez galéré à récupérer, mais on fait comme si j'avais rien fait, hein. Manger des nuggets, mais pas des nuggets de chocobo, parce que les chocobos c'est trop mimi pour les manger. Papa Plankton, c'est Marlène. Mais vous aimez les chocobos, quoi. Non, je suis d'accord, dans l'absolu, il n'y en a pas et on s'en fout. Oui, ou pas manger d'animaux, ça marche aussi. Ouais, je garde la même équipe, hein. Je ne vois strictement aucune raison de changer d'équipe. Alors est-ce que c'est... là? Je ne sais plus où je dois aller, je ne sais plus, je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. C'est bon, je peux partir. Youpi.
Là, tu manges des animaux, mais c'est parce que le cri du céleri contre les puces te font le cœur. Mais... C'est génial. Tortel. C'est plus très original, le cri du céleri. Ah oui, je sais qu'il fait pas original, original, original. Je sais, je sais. Donc, alors maintenant qu'on a fait tout ça. Il y a échec de synchronisation, ce qui doit vouloir dire que j'ai encore perdu tous mes sockets et compagnie. Donc, alors écoutez, je vais faire du thé, du café, tout ça, et je reviens dans 5 minutes. Même moi. Je reviens tout de suite. A tout de suite, les gens. Ouf, bon, bon, postérieur. Si vous entendez ding-dong, c'est le téléphone d'astreinte. Généralement, je lui réponds ta gueule. C'est amical.
Tu t'es montré à la caméra? Non. Oh. Re-coucou les gens! Et je remets. Je souffle un petit peu, j'en profite pour faire une micro-pause. Hein. Alors Tifa s'appelle Plancton parce que. Fantasma a décidé que Tifa s'appellerait Plancton. Mais j'ai pensé après que j'aurais dû te demander si tu voulais que je nomme Tifa en ton nom. Pour les boobs. Je ne suis pas qu'une paire de nichons. Mais je sais, t'es ma pupus. Je suis aussi un gros paquet de cellules. Non. 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 Je retire ce que j'ai dit. Je retire. Voilà. Je préfère. Mais alors, donc, je regarde un peu ce que vous faites. Ouais, vous êtes surveillés. Voilà, donc vous avez déjà expliqué. Un poulpe sauvage. Coucou Nina, Jean. Et donc, me revoilà. Et nous voilà repartis vers de nouvelles aventures où on va déjà aller retrouver d'autres bateaux. On va retourner prendre notre bateau, hein. Les combats, c'est bien, ça fait du kill count. Et oui, ils peuvent m'apprendre. T'as fait la conne avec un automaton. Ouais. Ok. Ah, je le garderai là. Je suis pas sur le bon perso, c'est dommage. Ah, je crois pas. Hein, basique pic pac pouc. On y arrive, on y arrive. Encore une heure ou deux, je pense. Je pense que Ribowo, ça doit être dans une heure ou deux. Après, c'est d'estimation à vue de pif. Hein. Peut-être un peu moins quand même. Je sais pas trop, mais on y sera sûrement avant minuit. De toute façon, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est Ribowo. C'est bien ça? Et donc je pense que je verrai en fonction de mon état d'arrivée au CD3
Je verrai en fonction de mon état à ce moment-là pour savoir si je vais prendre Omnislash ou pas. Mais comme je l'avais annoncé, de toute façon, ce sera pas du 100%. Hein. Ah oui, mais bon. Je suis désolé, Spifounette, je fais ce que je peux. Alors, non, Tortal. Je n'ai pas 70 heures... Je ne suis pas capable de rester 70 heures sans dormir. Donc, non. Je ferai, par contre, sûrement le jeu en 100%. Plus tard, du coup. Beaucoup plus tard, mais je referai sûrement le jeu en 100%. Pour aller sur un fil rouge. Je pense que j'utiliserai un fil rouge pour ça, je claquerai un fil rouge. Alors, je vais enregistrer. Alors. Alors, je pense que j'ai perdu internet. Il y a de grandes chances. Et de toute façon, Spifounet, si tu veux revoir le Ribbowo, non, quand je dis que j'ai perdu internet, ça veut dire que si je démarre un navigateur, je n'aurai pas internet. Ça veut dire que mon PC n'a plus de socket libre. On n'a plus de buffer ou je sais pas quoi, mais en gros, si un seul de mes trucs qui est connecté à internet se déconnecte, je pourrais pas le reconnecter à internet sans démarrer le PC. Ça m'est déjà arrivé tout à l'heure, c'était la vraie merde. C'est extrêmement chiant, je comprends pas d'où ça vient. Mais bon, on va continuer comme ça, puis au pire, j'ai le téléphone à côté de moi. Mais tout à l'heure, en fait, j'avais tenté de redémarrer la carte réseau, tout ça, et ça n'avait rien fait pour récupérer Internet. Rien de rien. Va tenter les 30K ce soir. Ben, ça ferait que tu serais dans les temps. Bah ben non. Mais si. Non. T'es en retard. Limite. Bonne chance en tout cas, ma pupus. Le bon côté, c'est que cette fois, c'est pas moi qui vais te faire aller au dodo. En me couchant tôt. Ben, c'est très problématique ces problèmes. J'ai ça que en stream. Ou quand je stream, je sais pas excessivement pourquoi. Refantasma. Donc je pense que tu peux expliquer à Nina pourquoi Plancton. Ah, Rip Café. Ah, plus café, Rip Café. Alors. J'aime beaucoup ce donjon. Ah, je peux l'utiliser. Ah, merde, ça va pas le faire correctement. J'aurais pas dû l'utiliser. Là, j'ai merdé. J'ai merdé.
J'aime pas les pinceurs où c'est moi qui prends les gens en pinceurs. Enfin, j'aime pas les pinceurs en général. Mais c'est tellement chiant avec tout et compagnie, les pinceurs. Une arme pour Sid. J'ai quand même essayé de choper la materia parce que je sais plus à quelle c'est la materia qui est là. Mais généralement les materia qui traînent comme ça, c'est quand même des trucs assez rares et assez cool. Ah bah ça fail. Ça fail parce que crapaud. Oh mon dieu, c'est tellement relou. C'est juste tellement relou. Ouais, c'est trop relou, on se barre. Bonne nuit, Tortel! Alors... Oui, c'est bon, ça reste pas. On n'est pas dans les... On n'est pas dans FF5, ça ne reste pas, c'est cool. Bonne foudroyance, ça c'est cool. Putain, ouais, j'avais oublié que j'avais ça, moi. C'est quand même cool, hein. Voilà, on va faire ça. Bah écoute, c'est bien de pas rager. C'est tellement désagréable de rager. Ouais, c'est bien ça, c'est bien là que je vais aller. Globalement, j'aurais tendance à te dire le 3 parce que c'est celui dans lequel tu peux faire le plus de trucs sans être emmerdé par la linéarité du scénar. Ouais, ça c'est mon avis. Mais attends, j'ai tellement un meilleur combo à mettre, moi. J'ai tellement un meilleur combo à mettre ici. Franchement, tellement un meilleur combo. Pas d'autre terme, hein. Matériel chance. Bon.
Si tu me diras, je pense que ça doit servir à faire des critiques, non? Oh putain, il y a des grenouilles à la con. Non, moi je me barre s'il y a des grenouilles. Honnêtement, s'il y a des grenouilles, je me barre. Ok, salut Zocile, bonne soirée. Bon bah tu sais, je pense que la fin du stream, tu seras réveillé, hein. C'est tellement relou. Non, sérieux, c'est tellement relou. Et voilà! Coucou English Boy! Mon dieu. Ouais, je veux bien, mais rends-moi la main si tu veux que je vienne. Et instant blabla. Condoléance quand Shepard. Bah écoute, c'est pas une personne, hein, c'est en général dans le monde, toutes les 32 heures, une personne trans se fait assassiner. Enfin, au moins une, en fait, parce que les chiffres couvrent pas beaucoup de pays. Donc voilà, et c'est que les personnes qui ont été reconnues comme, ayant été assassinées parce que trans. Donc ça limite beaucoup. Galin Cran de Shepard. On va enregistrer. Voilà, c'est en général, parce qu'aujourd'hui on est justement le Tidore,
Le jour du souvenir trans. Et donc, bon alors, tournez l'aiguille. Alors, est-ce qu'il y a des endroits précis où... Ouais, ça prend en compte que les personnes assassinées recensées, voilà, c'est... Ça prend pas en compte grand monde, en fait, à mon avis, c'est un petit pourcentage. Ça prend pas en compte les personnes trans qui se suicident à cause de la transphobie ambiante. Ou autre. Alors... Nous devons l'attraper. Je veux bien. Ouais, il va falloir que j'anticipe. C'est pas très grave. Je préfère prévenir. Ça, ça va être bien. Ouais, c'est bien, mais c'est pas bien en fait. Quoi? En plus, c'est random? Sérieux là? J'ai le droit à un petit kickban, s'il vous plaît? On va pas faire dans les détails, hein? Je peux pas kickban, mais il faut que quelqu'un le fasse. Putain, t'as vraiment du bol que je puisse pas de kickban. Que je puisse pas céder à Twitch comme ça. Puce, est-ce que tu peux venir sur le chat s'il te plaît? Ouais, ouais. J'ai besoin d'un kickban, tu verras tout de suite qui c'est. Oui. Et rester sur le chat. Ouais, si je peux peut-être. Je vais essayer de voir si je peux ajouter des modos. Parce que là, il va falloir. Mais je ne peux pas. C'est bon, on est d'accord. Tu peux aussi time out tout ce qu'il a, tout ce que cette personne a dit. Et je vais passer sur ton PC juste pour faire des modos. Merci, Puce. Je peux pas le faire de mon PC parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'accès correct. Attends, je vais tenter quand même un truc. Non, je peux pas d'ici. Je peux vraiment pas. Je vous laisse avec la musique. Et j'arrive. Je vais mettre des modos.
cas que tu puisses mettre quelqu'un. Donc je vais faire des OP. Alors je sais que vous m'entendez mais vous ne me voyez pas. Je peux juste pas agir depuis mon PC, donc je ne peux plus ouvrir un bon navigateur pour que ce soit du genre. Je sais pas mais il va y retourner. Donc, modder des gens. Voilà. Voilà, j'ai mis des nouveaux modos. Alors, bonjour aux nouveaux modos qui se reconnaîtront en écrivant. Quand il y a des conneries comme ça, quand il y a des connards comme ça, et eh ben c'est simple, on kick ban, mais on s'embête pas. Donc normalement, alors je sais pas si vous avez eu les messages, je vois que c'est pas pris en compte, mais normalement il y a eu des nouveaux modes. Hein. Il y a eu des nouveaux modos. Voilà, on y arrive. Totalement. Et je l'aurais fait moi-même si j'avais pas ces problèmes sur mon PC. Hein. Parce que là, faut pas chercher. Voilà, je vois que tous les modos ont été modés. Donc, bienvenue dans l'équipe de modération. Thank you.
Bah écoute, les gens ont le droit de s'exprimer librement tant qu'ils m'insultent pas, qu'ils appellent pas au meurtre et des trucs comme ça. Hein? Mais tant qu'il y a un minimum de respect, ce qui n'a pas été le cas.